Bonjour, je vous présente mon robot sur deux roues. Il n'est pas encore achevé, mais avec tout le travail que j'ai mis dedans, il vaut vraiment la peine que je fasse une vidéo. Premièrement, vous pouvez voir que l'électronique n'est pas encore placée à l'intérieur du robot, mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle il n'est pas terminé. En fait, c'est que mon robot n'a pas un équilibre parfait. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vous le montrer en action. Donc, avec les poids qu'il y a en dessous, il peut tenir tout seul, même s'il n'est pas allumé. Je vais vous montrer ce que ça va faire quand je vais l'allumer. Donc, il peut quand même conserver un peu son équilibre, mais quand c'est trop bas, il tombe. Calibrer parce qu'il n'a pas l'air vraiment calibré parfaitement. Donc le but c'est de le calibrer au point d'équilibre en appuyant sur le bouton là. Puis ensuite il va toujours chercher à retrouver cet état d'équilibre. Par contre, je dois quand même l'aider en tenant son fil d'alimentation. Sinon, c'est ça, il finit toujours par tomber d'un côté ou de l'autre. Ah, il vient de trouver son état d'équilibre. Oh! Non. On voit que c'est un équilibre instable. Je vais vous parler maintenant un peu de son fonctionnement. Pour ce qui est du robot en soi, il y a un moteur ici avec la boîte d'engrenage qui est reliée aux roues. J'ai placé deux points en dessous tout simplement pour baisser le centre de masse du robot. Ça lui permet de retrouver son équilibre plus facilement. Et au-dessus ici, il y a mon accéléromètre. Donc lui, il va mesurer l'accélération en tout temps. Dans le robot. Et donc ça c'est mon circuit électronique, mon microcontrôleur. La façon que mon accéléromètre fonctionne, c'est qu'il va envoyer une onde carrée d'une fréquence de 100 Hz. Et puis en fonction de la position, donc de l'accélération qu'il va ressentir, le rapport cyclique de l'onde va être modifié. Donc par exemple, si je le mets droit, le rapport est de 50%. Quand je le penche, il diminue. Et si je le penche de l'autre côté, il va augmenter. Dans mon microcontrôleur, j'ai une fonction qui ressemble beaucoup à mon oscilloscope. Donc, elle va mesurer le temps que l'onde est à l'état haut. Et elle va le stocker dans une variable. Donc, par exemple, ça va être tout simplement un nombre. Par exemple, 2682. Quand le programme s'exécute, au début, il ne se passe rien. Il faut que j'appuie sur le bouton de calibrage juste ici. Donc à ce moment-là, il faut que le robot soit placé à son état d'équilibre. Donc quand j'appuie sur le bouton, la première lecture de l'accéléromètre va devenir la valeur de référence. Par la suite, le programme va comparer chaque valeur d'accélération subséquente à cette valeur de référence. Alors si la valeur est plus grande, il va envoyer un signal dans le fil. Donc ici, le circuit électronique, c'est un H-bridge. Pont H, je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Mais c'est tout simplement un circuit qui va servir à faire changer le sens de rotation du moteur. Alors si, par exemple, le fil ici a un état 1, le moteur va tourner dans un sens, par exemple le sens horaire. Et si l'autre fil a un état 1, eh bien, le moteur va tourner de l'autre sens, dans le sens antihoraire. Alors, donc, si l'accélération est plus grande que la valeur de référence, le programme va envoyer un signal qui va faire tourner le moteur dans le sens contraire. Donc, par exemple, si le robot penche de ce côté, eh bien, le programme va envoyer un signal qui va faire tourner les roues
de l'autre sens pour redresser le robot. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai inclus un PWM dans le code qui va contrôler la puissance fournie aux roues. Alors, plus le robot est penché, plus les roues vont avoir de puissance, jusqu'à un certain point, évidemment. Je vais vous montrer un peu, ça ressemble à quoi. Donc, vous voyez, il est droit. Là, je le penche un peu. Il commence à tourner, pas vite. Je le penche. Puis, ça va vite. Et la même chose se produit, évidemment, de l'autre sens. Ce qui fait qu'en bout de ligne, il peut conserver quand même plus facilement son équilibre sans donner des gros coups. Parmi les choses à améliorer, donc il y aurait le petit jeu dans les engrenages qui déstabilise beaucoup le robot. Ça lui donne vraiment du retard sur son état d'équilibre. Et puis ensuite, il y a l'accéléromètre qui est, bon, premièrement, plutôt bon marché, je dirais. Et puis finalement, il faudrait utiliser plutôt un gyroscope qui serait bien sûr bien plus adapté pour ce genre de robot. Néanmoins, c'est tout de même une très belle réalisation. Et voilà, je vous quitte là-dessus.